So the question is, were you a fan of the series of the 80s, the Galactica, the Battlestar Galactica of the 80s, any of you? And the second question, what was the role for you of Jules Verne in your youth and your teenage time? Is there one novel that you particularly like or known, and how do you feel connected to the modern world? What is the modern world today of Jules Verne? Wow. After you, Jamie. j'étais fan de l'original dans les années 70, quand j'avais 5 ans, quoi. Ici à Paris, j'habitais à Paris quand j'étais tout petit, et je l'ai regardé à la télé quand je suis retourné en Angleterre. Mais ce sont des mémoires d'enfance que j'associais avec l'original. Alors je me souviens très bien de Dirk Benedict, de Richard Hatch et tout. Mais c'était quelque chose dans mon enfance que je n'ai pas continué dans mon adolescence et comme jeune homme. Alors c'était un grand plaisir de découvrir de nouveau dans notre version l'original aussi. Et c'est de ces jours. Hein. C'est toujours formidable comme l'aventure un peu échappiste quoi. Et la nôtre est une version vraiment réel, il n'y a pas d'écharpe, il n'y a pas de fuite dans notre version. En ce qui concerne Jules Verne, j'ai une confession, je n'ai jamais lu les livres. Moi aussi. Mais j'ai vu toutes les dramatisations, quand j'étais petit, il y a tant de dramatisations de Phileas Fogg et de les 20 000 legs sous la mer. Et tout ça. Alors, pour moi, c'était Phileas Fogg qui était vraiment le personnage que j'adorais, ses voyages, ses aventures. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment... je crois que s'il était vivant, pouvait regarder Battlestar, ce serait comme regarder dans le miroir de ses créations. C'est vraiment dans la même tradition. Mais c'est une aventure aujourd'hui plus compliquée, parce que ce n'est pas découvrir des terres ou sous la terre ou dans l'espace, c'est plutôt de comprendre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comprendre l'appétit de la bête humaine et comprendre que cette aventure maintenant doit être un petit peu plus profonde. Et nous devons nous connaître un petit peu mieux, parce que comme organisme vivant, nous avons la capacité de la pensée, de comprendre que si nous mangeons et mangeons et mangeons, nous allons exploser. Et il faut dire, j'ai mangé suffisamment. Et il faut utiliser notre technologie maintenant, non pas pour... rendre la vie plus facile, mais pour rendre la vie plus continuable. Et c'est pour ça que je pense que ce festival est très clé dans notre monde. Et Jules Verne, s'il était vivant, il aurait été à l'avant-garde de cette nouvelle aventure. Chinese, please. I saw the show when I was about 7 years old. I absolutely loved it. Thought it was one of the most exciting things. I really didn't like Baltar, but I mean, who did? I don't think he was like, oh, that guy's so misunderstood. Things are a sign of the times, so, you know, I do believe that on some level back in the 70s that the show was to entertain in a way, rather than necessarily explore the intricate dynamics between human beings and what it means to be human. I love the original show, and I confess, exactly like Jamie, I'm afraid that I haven't read any Jules Verne, although I'm going to buy a book right now. I think the thing that the show I remember watching was James Mason playing Captain Nemo in 20,000 Leagues Under the Sea. This is an incredible character.
powerful, brilliant, tortured, with a real sense of, what's the word? He was fighting against the injustices he saw. That's my favorite character from Jules Verne. Do you know that Captain Nemo was from India? Yes, is indeed. That, yes, the Prince Dakar. I found that out from reading the Extraordinary Gentleman. What's that thing? Oh, yeah, the Legal Extraordinary. And then I found out then. And anyway, so then, what does Jules Verne mean today? I think that we are explorers. Everybody. I was saying to somebody yesterday. Everybody's like the hero of their own story, and you look at like the earliest collections of I don't know, human beings on the planet, they're all moving, migrating, everything is moving from one place to another. Yes, it's good by the beach, but what's it like over there by the forest? I like living, but what about if I go over here? There's always something new to find out. And I think that the interesting thing for me is that there's a... You mustn't forget your history to look forward to the future. So Jules Verne, on some level, reminds me that if I want to look forward, I must understand what came before me. And in the sense of the march for progress shouldn't be about jettisoning everything that has come before. It's something about how can you know your future if you don't understand your history? That is what I would say.